lever du soleil. C'est pas très chaud, hein, Jeff. Pas grand chaud là. Voilà, un petit coup là-haut. Voilà, on est à Col-Ray, je crois, non Col-Ray, Jeff, on va. Ah, le signal, c'est ce petit truc là, oh, Chardonnay. Voilà, la suite du programme. Avec le petit jour qui se lève. On n'a pas vu fou nous sur l'arête. Hein. Autant dire que pas grand monde. On peut parler, une petite bière en deux. Voilà. C'est pas un mot. Et voilà la dernière du jour, l'aiguille du tour, ouais, Jean-François qui monte, fait un petit coucou au sommet, ouais, tout à l'heure au sommet. Tu ne l'es pas, et puis les aiguilles du passant, on les a bien joués quand même, enfin l'aiguille du passant. Oh bah ben, voilà. Fais les skins, nous. Yes, on a réussi. Bon, ça faisait un moment qu'on voulait le faire, nous. Mais bon, on n'avait pas les credos. On avait... Allez, yes, super content. On a fait tout le tour là, donc on est bien content. On a fait ce qu'on voulait. Bon, c'était pas facile, un endroit ou deux, mais on est parti de tout là-bas. Donc là, même le tour, le village, remonter toute l'arête là, jusqu'au passant. Donc c'est derrière, on voit pas. Hop, et puis le Chardonnay là. Alors Chardonnay, ça a pas été une sinécure quand même. Enfin. C'était pas évident quand même. Et de la glace, il n'y avait pas assez de neige, il n'y avait pas assez de. Ouais, c'était glace et neige, mais c'était pas si facile à cramponner. Fredo s'est pas régalé. Hein. Et puis là-bas, c'est la grande fourche, la petite fourche, tête blanche. Et puis là, on a l'aiguille du tour. Et oui. Quel air entre les. Et là, maintenant, on va descendre là-bas, parce qu'on va aller boire une bonne bière. Enfin, s'il en reste d'ailleurs, parce que. C'est pas dit qu'il en reste des bières. Nous, on aura peut-être pas laissé.